Il y en a un qui est un VRP qui écoute du Sardou, voilà. Et l'autre qui est un DJ qui écoute vraiment de... écoute de la house ou voilà. De la techno. Samedi, c'est le ticket gagnant sur Au Ciné. Le court-métrage d'un jeune réalisateur, celui d'un cinéaste confirmé, échange de bons procédés avec Fabien Otoniente, le réalisateur de Disco. Samedi, à 18h sur France O. Retrouvez sur RFO.fr la plus grande consultation jamais réalisée en Outre-mer. Les États Généraux, c'est un forum, des blogs, des vidéos et la radio, un débat citoyen auquel vous pouvez participer. RFO.fr, le site des États Généraux de l'Outre-mer. Amour et désillusion pour celle qui veut y croire encore. Loin des yeux, mais le cœur envahi. Paloma, tout de suite sur France O. C'est la générosité de la nature, l'amour du travail bien fait, la richesse de nos terres. Un camembert franc, intense, généreux comme la campagne. Le rustique, le goût de l'authentique. En ce moment, savourez le rustique au bon lait de printemps. Découvrez notre coloration permanente sans ammoniac avec jusqu'à 80% d'ingrédients dérivés de la nature. Innovation Schwarzkopf Essential Color. Jusqu'à 80% d'ingrédients dérivés de la nature. Tout pour vos cheveux, pour une couleur 100% durable. Nouveau Essential Color. Schwarzkopf. 111 ans de qualité professionnelle pour vous. Hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Es mía, ya lo verás, baby. Todas las noches serán buenas para hacerte el amor. Il m'a dit que Diego m'avait dénoncé devant toute la famille. Et toi, tu l'as cru, Paloma? Mais c'est Diego lui-même qui m'a juré que personne d'autre ne savait que j'étais Paloma, maman. Ta famille n'aurait jamais rien su s'il ne leur avait pas tout raconté. Ils savaient même que nous étions ensemble à Manzanillo. Comment l'ont-ils appris, hein? Qui aurait pu leur dire? C'est pour ça qu'il a inventé ce voyage à l'usine de tri pour éviter de me faire face. C'est ce qu'il t'a dit, ma chérie? Oui. Fabien me l'a lancé à la figure, maman. Il m'a dit que pour Diego, je n'étais plus qu'une maîtresse sans importance et qu'il ne savait plus comment se débarrasser de moi. Il m'a dit aussi que ce n'était pas la première fois que Diego faisait un truc comme ça et que toujours ils étaient servis de l'histoire, que c'était la première fois qu'il pouvait être avec quelqu'un. Non, ma fille, ce n'est pas possible. Je l'ai vu tellement plein d'enthousiasme. Paloma, tellement amoureux de toi. Non, je ne crois pas à ce Fabien. Diego n'aurait pas pu inventer toutes ces choses-là seulement comme ça pour passer quelques jours avec toi, non. Comment peux-tu le croire, Paloma? Mais tu ne me l'avais pas déjà dit, hein? Quand il m'a mise enceinte, tu ne t'en souviens pas? Tu m'as dit que les hommes étaient capables de n'importe quoi pour prendre une fille au piège, maman!
Et tu avais raison, hein. Regarde quelle idiote je suis d'être à nouveau tombée dans le même piège, maman. Pourquoi Diego m'a menti comme ça, maman? Il m'a baratiné. Jusqu'à ce que je finisse par le croire. Jusqu'à ce que je lui cède encore, maman. Complètement. Mais vraiment. Vraiment. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Comment est-ce que j'ai pu tomber deux fois dans le même piège, maman? Elle est devenue furieuse. Elle était convaincue qu'elle avait Diego dans la poche. Quand je lui ai dit qu'elle devait l'oublier, elle est devenue folle. Elle a commencé à crier, à m'insulter et à insulter la famille. À insulter notre famille. C'est « nid de serpent » qui a été son terme le plus suave pour nous définir. Elle a continué à crier et à menacer de détruire le mariage de Diego. Mais comme je refusais de continuer à discuter, j'ai voulu la jeter dehors. Et c'est là qu'elle m'a donné un premier coup. Elle t'a frappé? Oui, mais je t'assure qu'elle frappe fort. Je ne sais pas de quoi tu t'étonnes, Angela. Berenice nous avait déjà dit qu'elle avait une réputation de violente à la hacienda. Bon, et toi, tu as fait quoi? Tu lui as rendu son coup? Mais comment tu peux penser ça, Diana? Le plus que j'ai fait, c'est essayer de la calmer, mais elle était incontrôlable. Et vous savez comment j'ai pu la calmer? Avec de l'argent. Combien est-ce que tu as dû lui offrir? 13 000 euros. Elle voulait plus, mais finalement, elle a accepté cette somme. Ah, 13 000 euros plus son solde de tout compte. Et tu lui as quand même donné son solde de tout compte? Oui, ce qu'on lui doit légalement, grand-mère. Mais quel genre de femme méprisable! Fabian, écoute, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait arrêter si tu avais suffisamment de preuves contre elle. Bien sûr. Une personne qui utilise des papiers volés et qui falsifie son identité doit aller en prison, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'allais dire. Et pourquoi ne laissez-vous pas Fabian finir de nous expliquer? Merci. J'ai décidé que le mieux était de ne pas porter plainte à son encontre pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut pas l'accuser d'imposture. Elle a déjà légalisé son nom. Deuxièmement, un scandale au niveau de la direction serait vraiment très mauvais pour l'image de la Café Talero. Oui, en cela tu as raison. Ce ne serait pas convenable que la femme qui a co-dirigé l'entreprise, qui a signé des documents, des conventions et autres, finisse par être accusée d'imposture. Ce serait la fin de la confiance que nous font nos clients. Et puis les banques. Aussi. Ce que l'on veut, c'est l'éloigner de Diego. Imaginez ce qui se passerait si Diego la savait en prison. Imaginez ça. Immédiatement, ça ferait passer la famille pour les méchants de l'histoire. Je suis complètement d'accord avec Fabian. Mais de toute manière, je crois qu'il est très dangereux que cette femme se promène librement par ici. Imaginez tout ce qu'elle pourrait tramer. Éclaircis-moi une chose. Comment peux-tu être si sûr que Elena, Paloma ou quel que soit son nom, ne va pas essayer de s'approcher de Diego? Tu crois qu'elle va se contenter des 13 000 euros que tu lui as donnés? Eh bien non, je n'en suis pas sûr. Je ne crois pas non plus qu'il faille s'inquiéter. Mais enfin, tu te contredis toi-même. C'est que... Non, attends un peu. Ce qu'il y a, c'est que je ne crois pas qu'après tout ce que je lui ai dit sur lui, elle ait très envie de revenir se montrer. Mais si jamais ils se rencontraient?